diocèse de Pontoise célèbre son jubilé. Ouais, 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 jubilé, la fête, cool. Attendez, attendez, un jubilé, c'est pas que la fête. Ah bon? C'est quand même bien mieux que ça. Ça remonte à une tradition du peuple juif. Le jubilé, c'est une grande année sabbatique. Un temps où l'on se pose, où on reprend souffle. On s'en remet à la providence divine. Et dormir, dormir un peu? Oh ouais, cool. Oh, c'est cool. Et non, le jubilé, ce n'est pas rien faire. Le jubilé, ça veut pas dire qu'on se la coupe tous. Faudrait savoir. Le jubilé, c'est revenir à l'essentiel. C'est retrouver sa relation à Dieu, sa relation aux autres, sa relation à soi-même. C'est pour ça que notre évêque nous invite à partager autour de la parole de Dieu. Nous allons recevoir l'évangile de Luc et nous aurons des propositions pour vivre des temps de partage. Partager autour de la parole de Dieu, c'est essentiel. Partager autour de la parole de Dieu porte beaucoup de fruits. Mais beaucoup ne la connaissent pas. Ah bon? Il y a des gens qui sont beaucoup. Chrétiens. Il y a des chrétiens. Vraiment beaucoup. Qui lisent pas la Bible. Alors notre évêque nous invite à vivre cette expérience avec les personnes de la périphérie. Ah oui, le périph. Ah mais c'est hyper dangereux. Ouais, puis on les connaît pas. C'est pas si facile. N'ayons pas peur. Si nous le faisons par amour, tout se passera bien. Ah ben si c'est par amour, ah ben je vais peut-être inviter mes voisins. Et peut-être même ma voisine. Moi je vais inviter des amis et quelques collègues. Oh mais c'est génial, je vais inviter quelqu'un au rencontre de caté. Et moi, je vais proposer à mon gendre musulman. Je vais commencer par revoir le film Le Bon Samaritain avec Bruce Willis. Et si je demandais à ma troupe de théâtre de proclamer l'évangile de Luc? Nous, on va rejoindre le groupe des personnes aveugles. Et nous les sourds. Quoi? Et les sans-abri de la gare, si on allait les voir? Eh, hey, mais il va me falloir beaucoup plus d'évangiles selon Saint Luc. Je vais en apporter à la maison de retraite. Et pour la kermesse, et si on invitait tous nos amis? Et c'est aussi l'occasion de nous rapprocher de nos frères protestants, hein? Et ceux qui vont bientôt se marier, si on leur... Et avec les jeunes, ça va être génial, parce que... Ouais, bon, moi, je veux bien partager avec d'autres, mais alors, pas tout seul, hein? C'est pas idiot.